Oh. Papa, mon mari. Papa, il tient mal. Papa, il tient mal. Papa, non. Mais écoute, après, j'ai dit. Plusieurs pays qui ont même décidé tout bon vrai pour te coller dans la question force ça pour capable venir aider Haïti dans la question force sécurité nationale. 12 pays déjà manifesté volontaire. 12 pays déjà manifesté parmi eux Espagne, Italie, Jamaïque et d'autres pays. Et puis Kenya en tête. Maintenant, monsieur Gagné, la police nationale, des unités de la police nationale intensifient leurs opérations dans plusieurs zones de la région métropolitaine du Port-au-Prince. Des bandits stoppés, plusieurs autres soulevés ou en bas code, ça n'est en bas code dans bon créole. La police nationale dit déterminée pour le couper tout vagabond qui a fait l'auberge dans le pays. Pendant la parler là, gain ville, village, solidarité, bandits envahis, l'assemblée, ils prennent espace là, ils dit, ils mettent un chef de gang qui a dirigé village solidarité. SOS donc, pour la police. Son action qui tout démenti et
nan sos ou di ala la police nationale déterminée je là ouais et puis ou tout ouais elle a tout contribué non monsieur compte ça la femme mba il est solidaire il est comme bala mais ça le gazel monsieur compte ça la femme il parle pas la lune là ça on connaît la police nationale le syndicat de la police nationale moi même non mba démenti rien non me seulement dit pour qu'ils soient dit en dernier à debout dit en dernier c'est démenti il est là ça monsieur Mba, tenez samedi à bien matin. Tenez bien, monsieur. Oui, mais monsieur, mettez-moi dans un avec la police nationale. Tenez bien, monsieur. La police nationale intensifie. A dit l'augmente. Li, comment tu as dit? Li quadriplé. Ça, c'est bazar. Continuez, continuez. Quadriplé. Intensifier. Opération Lionel Lazare. Appelle pour moi, Lionel. Lionel Lazare. Continuez, continuez. Intensifier. Amplifier. Ouais. Augmenter. Ouais. Envahir. Ouais. Continue. La police nationale, là je suis au niveau de la police. Et la police nationale, la police nationale envahie. Ok, intensifie, dans le sens du terme, intensifié. Et il veut déjà le dire. Ok, déployer. Continuez, parlez. On va porte barragé. Oui, et puis, bandit stoppé. Bandit en bas code. Et puis, on y a la même. Et puis, Village Solidarité, ou Amdison? Descends là. Village Solidarité. Région métropolitaine de Port-au-Prince. Village Solidarité. Bandi. Yo mettez. And the same time. And the same time. Vous êtes la police déterminée. Oui, déterminée. Mais je suis pas. Non, la police est déterminée, maintenant. Non, moi, je dis ça, je clair. La police est déterminée, oui. Ok. Oh. Pas de problème. Et dans tous les pays du monde. Et dans tous les pays du monde, toujours des problèmes qui posent. Pas de problème. Maintenant qu'on y a là. Maintenant qu'on y a là. C'est comment pour organiser ba yo pour kembe intensification ça. Ah OK. C'est l'invité. M'a prendre Lionel Lazare. M'a prendre monsieur, m'a prendre que gagne un cœur content. Les messieurs attendez alors même gouvernement. Même gouvernement leur attendez que force la vini. Et force la vini en janvier. Et parce que yon ren compte et ça et colonel Rebuté dit ça et comment historien Michel Soukart dit et c'est yon a bouclé de jour en jour. Il dit que nèg gang yon a fermé ti casque yon était là. Yon a siégé ville là. Bon maintenant c'est de qui ça nous a parlé toujours. De qui ça nous a parlé toujours? Ouais, c'est de qui ça nous a parlé toujours? Ok. Eh bien, de qui ça nous a toujours parlé? Nous avons Lionel Lazare là, qui est saint et coordonnateur et Sinapoa. Lionel Lazare, ou c'est coordonnateur Sinapoa? Et à qui sentiment on va vivre ça qu'a fait la journée aujourd'hui là? La police nationale a codé et puis un ensemble de groupes vagabonds qui a décodé et en d'un pays. Et Orlando. Lionel Lazare. Allô Lionel. Allô. Et pas oublier nous gain c'est coordonnateur. C'est coordonnateur et Sinapoa qui n'a et qui t'a supposé intervenir là. Ça passe village solidaire. Et selon information, tu as installé un chef de gang dans village solidaire. Il fait fête, il boit, oui. Il boit du champagne, il tire en pile. Lionel Lazare. Nous décrit lui. Faut que nous décrit lui village solidarité. C'est où tu as eu Paul. Allô Lionel. Ou tu as eu pour ce monde international. Bernard Meuse. Faut que nous connaissons ça, ça veut dire que nous avons un gros business en bas. Ok. Ah, faut que nous connaissons. Faut que nous décrit lui. Vous mettez des soulignes là. D'accord. Wood, c'est Wood. Route aéroport c'est route internationale. Ça est premier bagage. Ça important. Ça c'est important. Ensuite gros l'hôpital.
Bernameus. Mais Bernameus c'est plus gros l'hôpital. Oui, oui. Ça t'a voulu dit. Ça t'a voulu dit. Ah. Bon. Bon, on seconde pour me croire c'est vrai. Hein? Est-ce que d'accord? Comment l'autre pour croire c'est vrai? Non, pour faut que nous croire c'est vrai. Analyse n'a pour nous faire, faut que nous croire c'est vrai. Et puis pour nous imagine qui danger ça qu'a fait. Gros l'hôpital Bernameus, route internationale, c'est route aéroport, route aéroport, tout aéroport international, c'est pour un jouet lié. Ça veut dire que depuis le fait, faut que nous comprenions qui ça veut dire. Ouais. Depuis, même zone ces paroles. Je pense. Personne qui pas parler de hygiène directeur encore. Oui, oui. Depuis, ça pas, il pas nouveau non. Non, c'est pas nouveau. Depuis les 6 mois qu'on monte sur l'aéroport, ou pas songer bail ça. D'accord. À chaque monte sur l'aéroport. Mais l'elle fait ça. Ouais, l'elle fait ça, il fait légal. Ah, on est rentré dans 19 là. Moi même dit nèg gang yo c'est chef. Moi regrette. Oh. C'est chef. Gouvernement il fait. Non mais c'est chef. Gouvernement il font bagarre comme ça. C'est imposé même les bagarre des gangs là. On te dit que qu'on y a sujet ça dans bouche tout le monde. De pour faire la justice c'est les loucos. Bon, je dis à les nan figi nous là. Village solidarité ça. On dit là installation bah fait normal. Village solidarité pour nous on a parlé là. Village solidarité, ça veut dire au point Carrefour aéroport. Non mais c'est ça le veut dire même. Ça veut dire c'est quoi bah toute piste. Toute route piste là, toute zone ça yo c'est ça qui trop. Monsieur c'est chef yoyé. Et chaque jour yo montre que c'est chef yo nous. Monsieur nouveau chef. On ne peut pas faire attendre un chef, un commandant reste un commandant. À vos ordres mon commandant. Mon attention. Depuis chef là. Yes, commandant. Vous entendez bien. Moi, salue Isaïe, je salue. Bonne fête, commandant. N'oubliez ça. Merci. Nèg Belance. C'est anniversaire, moi. Yes. Moi, salue. Lionel Lazar. Lionel Lazar. Comment nous sommes? Où c'est numéro 1 syndicat? Porte-parole ou bien président? Coordonnateur. Coordonnateur, où c'est numéro 1. Est-ce que vous acceptez, moi, dit. Ou c'est policier ou bien son chef? Bon. Et comment on est capable de ça? Faut que nous rappeler que dans le pays, nous avons une façon que nous comprenons. Parce que, en une fois, ce n'est pas où que les têtes chef là. Et c'est des gens qui disent que monsieur c'est un chef lié. Mais peut-être c'est dans le contexte que vous prenez là. Ou après, il y a l'autre pays, il y a parlé de mon chef. Mais quand même, il y a un monde qui là qui vous mettez l'autre quand même. Où sont policiers qui font un job dans le pays ou pas chef parce qu'ils ne peuvent pas faire ça ou vle. Police civile. Police civile. Oui, effectivement. Pas chef. Et qui chef, yo, tout le monde connaît. Yo. Ariel Henry. Ariel chef. Qui ça? Ariel Henry. Ariel chef. On va me garder. Est-ce qu'il y a Ariel chef? Et yo chef, oui. Et yo chef. Chef du gouvernement. Ils ont ses chefs. Non, ils ont ses chefs. Non, pas comme ça, lui. D'accord, lui. Vite l'homme, son chef. On fait des bases. On dit, mais ça cap bien, quoi. Oui, quoi. Non, il n'a même pas de machine policier. Sodoa, parce que c'est pas vrai, lui. Oui, c'est pas réel. Non, vérité. Non. On s'en sent bien, madame. C'est très important, monsieur. Bon, quoi, d'embrasse d'accord avant. Ok. Connotation chef là. Bon côté, on parle pas d'accord avant. Mais on quitte le coordonnateur à parler, comme je l'ai fait, on mette la lumière. Coordonnateur, on parle pour comment va la police là, comment la situation police là est. Nous connaissons les policiers qui vivent une situation enragée en la police là, qui gagnent 21 mois d'arrivée, qui gagnent un peu de problèmes, ils n'ont pas payé Kayo, ils n'ont pas payé Kayo, des policiers là qui vivent une difficulté. Et comment la situation police là est exactement comme coordonnateur Sinaboa? Bon, on le fait encore, monsieur, moi salue nous. Bon, je pense que nous tout à vivre dans le pays, là, nous voyons que comment la police a évolué, nous voyons comment les policiers ont évolué. Et c'est presque pour toute institution. Yo. Comme c'est la police actuelle, c'est comme institution qui déboule là, qui a travaillé. Et surtout, c'est des policiers qui ont été gagner un regard qui attire sur lui. Sur lui, mais la situation est vraiment difficile parce que les gars qui ont pas de policiers qui déplacent
soit dans Fontaine Bouquet, dans Canal, dans Onaville, dans Cap-Fouffey, dans Peigné, tout ça, où est que le gouvernement croise les bois, par exemple, dit rien avec le monde qui a mis l'autre. Vous êtes capable d'imaginer des gens qui là, qui pour faire appliquer la loi, des gens qui là, qui pour prendre des mesures contre les gens qui ont fait des ordres en Davia, ils ont même encore, ils ont une situation difficile. Donc comment que vous pouvez demander un groupe politique qui a un caillou, maman a fait des bouquets ou des cafoufeux, c'est là que vous prenez, c'est là que vous levez. Ils ont bonjour, nèg exam. Moi-même, je parle les nèg ça au chef de l'Ouban. Les nèg sont bons. Je ne peux jamais considérer nèg qui pose exam comme chef. Les on est chef, il y a un côté pour passer, un moule pour passer pour venir chef. Mais nèg ça aussi c'est des nèg qui prend exam, des mouns qui orientent nèg, qui bat nèg exam. Et puis tout nèg doit être équipe propre et mouns qui semblent ensemble avec eux encore. Donc policiers non situation difficile par rapport avec caillou politique bien policiers me connaît petit sont bord madame yon bord yo même c'est dans base yo que yo yé donc c'est des bagages que le gouvernement a supposé réfléchir parce que tout bon mon groupe là c'est des policiers des monde qui là qui mettent l'autre qui a travail pour ça yo même tout y a dans insécurité là mais nous même au niveau sénapoa non seulement nous gagnons le sentiment que nous a fait la répertorier quantité de policiers ça yo. Mais nous avons écrit tout directeur général de la police, M. Fontelbe, pour nous attirer l'attention sur ça, parler avec le gouvernement pour regarder comment ils étaient capables d'aider les policiers économiquement, même si ce n'est pas de grand-chose, mais quand même, si vous voulez au secours, au moins les gars capables d'aider les familles, capables d'aider les têtes, à arrêter de l'autre côté. Et nous connaissons pas quelques policiers qui étaient à peine un mois ou bien deux mois depuis que vous avez payé Kayo. On est capable d'imaginer comment est la situation difficile. Les garçons frais que les étaient faits. Mais au moins, et si le gouvernement respecte les têtes, si au moins vous prenez les policiers pour les gens qui a travaillé, je pense que le gouvernement a aidé les policiers à résoudre ensemble des problèmes que vous avez. Mais nous connaissons tout au niveau de la direction générale de la police. Moi-même, moi toujours dit, moi c'est un policier qui fait partie d'une institution créée, police nationale d'Haïti. Moi passe dans ensemble de sanctions, tout ce qui toutefois que l'inspection générale estime que il y a des dégâts que m'a promis soit dans l'intervention que m'a fait, pour poser une question sur ça. Qui donc, et nous-mêmes nous parlons tout au niveau sénatoire pour écraser l'institution policière là, nous parlons. Parce que si nous là, c'est parce que nous sommes la de l'institution. Nous là pour nous renforcer l'institution. Nous là pour aller par là avec les responsables pour garder les meilleures conditions de travail pour être capable de gérer ça pour les policiers. Comment on peut imaginer les policiers, depuis un instant, ou si nous ensemble de documents, l'État il tient mon corps de l'Ouest chaque mois pour chaque coup. Et moi, je toujours dire au monde, c'est pour faire avec les policiers, c'est le travail que le travail de ça. Les policiers arrivent dans l'hôpital, s'ils n'ont pas gagné le corps dans l'hôpital, l'assurance n'a pas couru parce que ils ont dit au Fatma, pas payé. Comment on va sentir que le moral policier ça, il est profite de l'on est arrivé dans l'hôpital. Moi-même, je suis un inspecteur divisionnaire que je suis avec. 28 ans après, il dit une pique de déception que le prend dans la ville, pendant que le vient 28 ans dans la police. Et le responsable de gros bureau dans direction générale de la police là, l'aime dit commandant qui ça passe, il dit mon cher, première fois le prend madame, il y a petit plus. Là l'hôpital avec elle, il veut le rester. Yo bali yo, ni longe captation ça aller devant madame, devant petit plus, l'hôpital là dit que pas faire rien pour lui. Pendant parler de 28 ans ça, grand policier là, monsieur prend retraite lui qui dans promotion moi. Monsieur gagne 28 ans dans la police nationale, il prend retraite. Yo ba monsieur 28 000 goud chaque et yo ba monsieur 28 000 goud, a dit 1000 goud par année. Bon. Qui donc c'est vraiment une situation qui est extrêmement difficile, non seulement problème et logistique que la police là gagne tout, parce que foire des gangs tellement venu en pile jeudi à là, nous pas gagner ni baleine, pas gagner sodo dans liste côté que nèg a fait des zones qu'on a là, nous venons gagner zone ça comme zone que
qui sont surveillants de la police parce que c'est bandit. Mais là tout, c'est parce que en plus fois nous avons renforcé le commissariat qui est dans la ville de province. C'est parce que nous avons renforcé l'IDMO qui est dans la ville de province. Qui cause que je ne joue pas là, soit obligé à se déplacer, puis obligé à se déplacer. Je crois que si vous avez renforcé la police là au niveau du commissariat, parce que nous estimons que le commissariat en province est traité en bas en haut. Le commissariat en province n'a pas assez de répondants qui vont attaquer fait pour être capable de répondre en attendant que le renfort vienne. Nous-mêmes, c'est pour ça que nous avons plaidé. Nous plaidons journée aujourd'hui là. Moi-même, dans le cas nous parler que moi j'ai gagné avec directeur général de la police, parce que je vais oublier que les ou ces coordonnateurs ont ces syndicats en dans la police. Tout chef en dans pays, tout responsable commissariat en dans pays, après l'eau, a parlé ensemble avec vous pour expliquer aux problèmes que le commissariat a gagné. Il y a demandé que pour faire intervention pour eux. Nous rencontrons en pile cas ça. Moi parler avec directeur général de la police là, sur ensemble de problèmes que le commissariat en province a gagné. Et il y a un regard très particulier que vous parlez et sous le commissariat qui en province, parce que vous estimez que monsieur, de jour en jour, c'est ville de province qui apprend, monsieur, c'est galon qui apprend, c'est problème qui apprend. Est-ce que vous avez présenté la direction générale là et problème employé civil, contractuel, dans la police nationale qui n'a pas touché depuis combien de temps? Je pense que vous connaissez et nous toujours rappeler ça. Moi-même, je trouve que son bagage qui vole, ça que je fais le doigt là, c'est parce que moi-même, je connais des gens là qui nommé depuis son ancien directeur général, Léon Charles, qui parle de 2 ans depuis le pas directeur général de la police encore, qui ne sont jamais capable de toucher. Non, mais oui, c'est parce que contrat mon nom. Pendant ce temps, il m'a rappelé chaque fin exercice là, pour notre budget qui vini. Mm-hmm. Est-ce que moun sa yo pendant 2 ans ça yo pas de budget pour yo? Il trouve que li est tellement drôle et là on regarde que moun yo vinn travail chaque jour, yo exige yo pour vinn travail chaque jour, yo met tradition yo gen petit, yo al travail, yo paye transport, faut que ta poser cette question pour dire bon moun sa yo gen 2 ans là depuis que yo nommé, yo pas jamais capable toucher. Qui ça ou fait? Les yo lever la cage, est-ce que yo petit yo al travail et nous tirer sonnette d'alarme pour nous demander que à ministre économie finance là et pour lever pied parce que moun sa yo annoncé des mouvements que yo capable faire pour capable payer yo, c'est que nous même au niveau sinaboa nous connait pas d'accord parce que l'on fait partie d'une institution comme ça bon ensemble de bagaille que ou pas capable à faire, mais en pile fois tous ces dirigeants yo qui cause que yo mette moun yo dans une situation difficile pour yo faire une série de bagages. Nous même n'a continué défendre yo et si n'a pas là seulement pour défendre des policiers pas bien que nous mon la police civile moun qui fait partie des personnels administratifs en institution, nous même au niveau sinaboa nous gain tout droit nous pour nous défendre moun sa yo et n'a dit moun sa yo de mettre compte sur nous, de mettre quoi dans nous, n'a continué et bataille pour n'a continué travailler pour chaque jour. OK et Leonel Lazare, mon connaigon et en tant que responsable syndicat, gion phénomène qui a développé journée aujourd'hui là, des policiers qui ont accusé dans question implication présumée dans des actes de banditisme, dans participation implication yo dans dans des groupes de gangs. Et comment Sinapo a approché question ça? L'en connaît que la police nationale gagne une mission pour protéger et servir. Bon, comme donc, il n'est pas un secret pour personne monde, par rapport avec plusieurs policiers que yo arrêté déjà, yo indexé policiers ça yo comme monde qui a de connivence avec gang. Mm-hmm. Et nous pas bail tête nous mentir, effectivement, il y a des policiers vrais qui fonctionne avec gang. Il y a des policiers qui permettent que collègues yo mourir et dans des situations difficiles. Mm-hmm. Qui a porté zamba banego, qui a porté cartouche pour yo, qui a porté une série de bagages pour yo. Nous capable songer bien plusieurs policiers que yo arrêté, bon police, bon inspecteur divisionnaire que il est arrêté. Ouais. en bas mon caprice machine chargé munitions.
qui bol après la veille pour qui est le ministre ça ça yo tout ça c'est des bagages qui planent des doutes qui pour dire bon effectivement policier yo n'attaque pas ça gagner policier que yo arrêté yo accusé parce qu'en pile fois nous sur les réseaux sociaux il y a des noms qu'on a appelé il y a des mots yo dénoncé yo comme monde qui t'a qui t'a en connivence avec avec Bantia et parce que on va faire référence ensemble avec le policier que yo arrêté avant hier là dans l'aéroport au Cap là moi même pas que appréhension au niveau de Sinapoa de sa capacité c'est que si on est policier qui aurait été policier correct si on est au fait choix pour aller dans gang aller dans gang c'est ça parce que quel que soit choix ou faire ou pas qu'à gérer deux chapeaux à la fois ou pas qu'à policier ou même qui l'a qui dit craquer dans tout ou même qui pour là qui pour empêcher tout le monde de faire ça ça et puis ou même ou entrer dans tout sur l'eau avec les mêmes taillots, les mêmes montaillots, des plus propres familles, même montaillots, des plus propres collègues qui ont fait tout ça avec eux dans l'académie, propres collègues qui ont fait tout ça en travail ensemble avec eux. Si un policier ou un choix ou entrer dans la gang, assumer quelque chose, assumer quelque chose conséquent. Merci, merci et merci à Lionel Lazare. Mais, mais avant que nous oui. C'est pas parce que nous accusons policiers. Oui. Les en connivence avec gang pour nous pas traiter en tant que tel. C'est ça. Donc quel que soit monde, c'est quel que soit monde. Il a accusé dans mon action. N'importe monde, non. Comme policier. C'est pas comme policier, c'est pas ni moi ni où qui va dire oui ou non, nous sommes impliqués là-dedans. Il revient à la justice. Sur lui, qu'on a là, comme son policier, inspection générale lui-même, l'a bien pour faire travail par là. Mm-hmm. Si que, administrativement, il n'est pas dans la compétence inspection générale, il a voué devant un juge, mm-hmm. et malgré ça tout, on a toujours demandé que le droit policier à respecter, parce que lui est toujours coupable. De ça qu'il fait, mais coupable n'est pas venu du tout pour traiter n'importe qui. D'accord. Nous vraiment souhaiter arrêter les policiers. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec la police qui a fait travail. Il faut que la police fasse travail. Et à l'ordre de 200 milliards de gourdes, côté Gomo Soa Aljoine, ministère de la République, Sport et Communication. Décortiquez pour nous question budget, ou même qui sont experts en la matière, nous-mêmes nous ne parlons pas de question budget, on sait les bails. Donc, essayez de présenter à la population qui sont budgets et comment vous pouvez gérer la question budget. C'est important ce que ça vient. Monsieur, moi, salue nous tous sur panel là. Donc, nous saluons Luko qui n'est pas présent avec nous. Alors c'est avec en pile tristesse quand même matin moi bon la parole là matin débat pour nous parler des budgets une question qui vraiment récurrente pour me dire une problématique qui éternelle dans système PIA donc lorsque nous connaît budget c'est un instrument qui ban nous pour me pas dire un indicateur macroéconomique qui ban nous maintenant direction pour nous connaît est-ce que réellement investissement nous a productif, est-ce qu'il vraiment n'a parti sur une nouvelle année pour nous projeter maintenant ça aurait les perspectives développement économique qui lié bien entendu avec ça nous capable objectif développement durable. Mais bien entendu, il y a de cela 5-6 ans, c'est un monsieur d'après les émission d'ab dit nous une bonne année fiscale, d'ab dit nous une bonne année judiciaire. Mais malheureusement, je ne crois que Haïti ne mette pas dans la bouche nous pour nous répéter mon salaire encore. Et nous en octobre, d'ailleurs, mois d'octobre, son paquet de bagages liés pour nous. Lorsque nous avons fait pays, et mois d'octobre, il y a trois bagages qui coïncident avec lui. D'abord, c'est année judiciaire, là. C'est année fiscale, là. Mais tout, mois d'octobre, et pour un pays qui a fait développement, mois d'octobre, là, c'est tout. Un mois pour qu'il dit pays a pour nous on a parlé de qui ça haïtien de naturellement qui est nous et puis pour on a parlé de langue nous donc c'est vraiment un mois de fête d'état douyer mais malheureusement
modèle l'état ça que nous gain là pas bon nous droit ça pour n'a parler maintenant de développement Haïti. Moi même sous question budget à très rapidement, moi c'est un économiste qui censé prendre recul par rapport à modèle analyse qui nous gagne sous affaire budget dans pays. Et pour qui ça moi même me prend recul, nous prend recul parce que ça ne parle pas les budget qui c'est 200 milliards de gourdes. Nous dit même bagaille chaque année. Donc pendant 20 25 ans, c'est un seul bagaille nous dit. C'était comme d'habitude dit tout ça me dire son forme de bouillon réchauffé. Tout ça on notre économiste dit par rapport à budget, c'est même bagaille nous répéter chaque année. Donc même problème, yo pas jamais capable de résoudre et c'est même donnée. Regardez bien pour nous. 200 milliards de gourdes comme budget. Et je ne dis pas le budget c'est un instrument fondamental qui permet que nous mesurer l'avenir. Et c'est la première fois dans l'histoire nous, nous paraît avec un chiffre qui aussi est gros en dans l'économie. Donc un budget de 200 milliards de gourdes, c'est pour la première fois. Mais maintenant 200 milliards de gourdes, là, qu'est-ce que ça veut dire? Sous 15-20 dernières années, depuis qu'on a parlé de budget en Haïti, c'est toujours environ 2 milliards de dollars américains. Que ce soit c'est les budgets de 154 milliards de gourdes, l'LT 120 milliards de gourdes et même descendre puis pas, c'était toujours même bagaille là. Les nous convertir en dollars américains, li bay à peu près 2 milliards de dollars américains. 2 milliards de dollars américains année ça maintenant par rapport à une inflation que nous-mêmes nous pas contrôler du tout. Et ça a son défi et on dirait parfois pour qui ça que nous dit nous c'est expert, mais c'est pas parce que nous pas capable faire des analyses, c'est parce que maintenant nous avons un modèle d'état pas reflété ça que nous-mêmes nous besoin comme vision de développement pays. Regardez bien, 200 milliards de gouttes, je dis à la par rapport à niveau d'inflation, même lorsque le chiffre là paraît gros, il paraît comme le plus gros chiffre que nous gagnons dans l'histoire du budget en Haïti, et bien évident, par rapport avec niveau d'inflation, nous prenons maintenant 200 milliards de gouttes, nous prenons taux dollar, on nous dit nous prenons à 135, même si nous prenons à 137, nous baillons environ 1,4 milliards. Qui donc nous totalement régressé. Totalement régressé. C'est à peu près de 25% de bac que nous faisons sous par rapport à chiffre que nous avons gagné normalement. Donc, nous avons gagné un budget de 154 milliards de gouttes qui égale à 2 milliards de dollars américains, alors que pendant que nous gagnons 300 milliards de gouttes là, il baissait à 1,4 milliards de dollars américains. Maintenant, 1,4 milliards de dollars américains veut dire qui ça pour nous-mêmes. Pas oublier que je dis à nous, c'est environ, selon experts, selon les institutions spécialisées, nous c'est environ 12 millions haïtiens. Si on prend maintenant 1,4 milliard, songez bien que moi dit, budget sur 15 dernières années, il est toujours avoisiné 2 milliards de dollars. Année ça, pendant qu'il y a 200 milliards de gouttes là, pour ta monter, au contraire, il baisse par rapport à niveau d'inflation. Il vient 1,4 milliard. On a 1,4 milliard de dollars ça. Même si vous voulez nous prendre entrer dans le secteur, pour nous parler maintenant éducation bien et transport qui ça maintenant comment budget est réparti. Mais avant même nous arriver dans phase ça, si nous prenons globalement, j'en ai fait analyse là, prend 1,4 milliard de dollars américains comme budget en dans pays là, divisé par 12 millions haïtiens pour eux. Là bas où 123 dollars par habitant. Mais qui ça ça veut dire? 1,4 milliard de dollars américains, monsieur, c'est pas un pays. Pas un pays, monsieur. Pas un pays, permettez-moi de dire ça. Pas un pays. Et je suis, niveau de réflexion sur le budget pays, a pas porté rien. Pas rien d'innovation, pas rien de pertinence, sinon que nous répétons même bagaille chaque année. Même bagaille. 1,4 milliard de dollars, monsieur. 1,4 milliard de dollars. Je me rappelle que le budget avant l'université aux États-Unis, c'est 54 milliards de dollars américains. Donc, pas nous, on est 1,4 milliards de dollars américains. Vous vous imaginez? Pour 12 millions d'habitants. Donc, peu importe ça, nous parlons de quel secteur gagne plus l'argent. Et dans 1,4 là, économiste, il est posé en paquet. C'est sous don, oui, chercher, oui. Comment? Sous don, oui, sous don. Allô?
Allô? Ou t'as des moins? Oui, oui. Non, même 1.4 que vous avez parlé, un bon parti reposé sous question don. Et parfois, même pays qui peut mettre pas même bail, nous, ça qui se passe dans le budget, ça. Bien sûr, ça. Attendez, et c'est ça, Mabdou. Regardez bien. Mais ça, c'est. Son des autres total capital. Et moi-même, je dis non bagay. M'a pour qui ça, on économise en Haïti, perdre du temps de parler des budgets. M'a pour qui ça? Parce que. Nous pas rien vous dire on pas compte égaré qu'a parler nous pas compte en a parler là parce que moi dis encore chaque année c'est même bagaille. Regardez bien dans le budget d'état maintenant c'est toujours même bagaille. Le budget est irréaliste. On a toujours dit même bagaille chaque année budget est irréaliste. Mais c'est ça que nous gagnons comme problématique en général, le budget va refléter du tout. Donc nous pas gain quoi vraiment pour nous faire développement pays là. Maintenant dans son budget fou là si me comprendre là. Non mais c'est Zayou nous capable pour mettre balle toute nos couvlés ça nous gagne pas carré le budget nous pas carré nous capable nous tenez bien nous capable maintenant pour nous présenter nous sous scène internationale là pour nous parler de soit disant que nous voulons faire un pays nous dit nous budget mais en fait quand ça nous gagne hein il pas gagne rien pour ouais monsieur 1.4 milliards de dollars pour 12 millions haïtiens nous pas comment ça veut dire. Oh regardez moi même moi gagne environ 3 ans et même lorsque parfois on respecte plus grand yo. Pendant 3 ans, je suis sûr que Martin Débat, s'il t'avait lu, même dans l'archive, la dernière émission que je fais avec Louko, sous problématique sécurité en d'un pays face au défi de la croissance économique. Moi, je crois que c'est une émission qui était beaucoup plus scientifique que je fais maintenant sous analyse sécurité en d'un pays. L'État n'a créé aucune condition pour garantir investissement productif en d'un pays, à tel point que maintenant toute entreprise censée complètement détruite. Regardez, Haïti, depuis 2014, nous sommes 9 ans, nous n'avons jamais gagné ça, nous avons tout de croissance économique qui est positive. Depuis 2015, c'est nous passer à 1.5 jusqu'à aujourd'hui, nous rentrer dans sa contraction économique. Maintenant, comment on est capable de dire un pays qui est en contraction économique pendant 9 ans, capable maintenant de projeter vision développement? Non, du tout pas. Parce que maintenant, n'a d'accord que modèle l'état que nous gagnons modèle l'état paternaliste ça l'état oligarchique ça l'état apartheid ça l'état anti peuple ça il n'a aucune vision pour pays à pour peuple haïtien. Pas de question de développement budget chaque année li monte budget pour un oligarque pour un petit groupe monde tendez bien ça me va le dire pour petit groupe monde qu'elle monte budget ça que moi même moi vinn gon l'autre regard par rapport à budget qu'on y a moi pas parler étudier budget maintenant sous forme de secteur moi même moi prendre globalement. Vous qui l'État fait budget, l'État pas fait budget pour moins avoir, l'État pas fait budget pour courant, il pas fait budget pour gain de l'eau, il pas fait budget pour sécurité. Ça va priorité. L'État fait budget, attendez bien, monde qui pas jamais payé taxe nous, qui n'a contrebande qui attendez bien seulement en contrebande. C'est presque 1 milliard de dollars qui l'État haïtien perdu sur deux dernières années yo. C'est même monde qui n'a contrebande yo, budget c'est les côtés yo yo aller encore. Encore non budget. C'est toujours 90% budget pour aller directement vers fonctionnement, 10% pour aller vers investissement. Investissement. Maintenant, 10% qui allait vers investissement pour nous, regardez bien pour nous, oui. Mais 10% ça encore, 90% comme ça pour aller directement dans la passation de marché, côté que comme ça, la population n'a pas même une idée de lui-même. Donc, à quoi bonjour dire, nous parler de budget en d'un pays. Moi-même, moi, crois que. Nous pas capable créer richesse et oui il paraît un bon bagage Esaü il paraît un bon bagage côté que l'État est doué alors non perspective pour l'État développer Haïti effectivement moi même moi toujours dit lui une méthode nous trouver plus bon c'est une méthode côté qu'a ban nous comme plus là l'on imagine que recette fiscale pays là l'on recette douanière yo c'est à peu près 63% en dans budget là. Eh bien, il est clair, il y a des gens qui toujours comprennent que chaque année, nous dit que la douane va être comme ça, il passe avec 30 ou 40 milliards de gouttes. Ce sont bons bagailles, non, sont très, très, très mauvais bagailles parce que ce n'est pas parce que le pays a produit avec une balance commerciale qui est complètement négative. Ça va quand nous garantir que les recettes que nous gagnons, ils sont des bagailles productives. Au contraire, c'est un malheur, les gens qui ont une diaspora pour les bagailles pour en Haïti, ils ne sont pas capables maintenant de jouer un commun pour les douanes, ça va avoir des bagailles. Qui donc, oui. Moi-même, moi toujours dit, il y a deux secteurs Haïti gagnés qui sont capables de booster l'économie à aller vers l'avant. Mais il n'y a pas de modèle d'État. Effectivement, le transport et l'environnement.
secteur transport et secteur environnement, ces deux secteurs maintenant en dehors à côté de sécurité pardon. Ces deux secteurs si le pays a une sécurité, secteur transport et environnement, ces deux secteurs, à celle-là me dit environnement m'a pour énergie là-dedans qui t'a bail Haïti vraiment paquet élan pour les capable maximiser richesse li pour gagner ça dans perspective développement économique. Mais malheureusement j'en dis là c'est vraiment loin de là. Nous pas gagner modèle d'état ça, nous gagner un modèle de l'état qui pas gagner pour louer avec l'elle fait budget, elle pas fait budget pour peuple, ils font budget pour exactement une série des oligarques enrichis le même gens a toujours gagner même problème yo, même situation yo, donc pas rien vrai de concret dans budget ça yo. Alors Mme Benel Saint-Just, selon vous même, est-ce que Gomo Sosa yo lagué dans pat kasav et ministère de transport et communication et ta vle di yon bagay significatif pour pays a? Ezari. Yes. Moi m'a font ti par m'a font parenthèse s'il vous plaît, n'a quitté et avancer. Allez-y. Moi refuser parler de Haïti parce que pour moi même Haïti pas gagné en pour loi avec ça relé modèle de pays. D'abord, bon monsieur bon bagay. Ministère de la République Haïti gagné 1400 km de route dont là-dedans seulement 25% traduit la viabilité pour encore 12 millions d'habitants. République dominicaine pour 11,5 millions d'habitants, il gagne 12 000 km de route pendant que nous-mêmes nous gagnons à peu près 3 400 km de route. République dominicaine gagne 12 000 km de route. Effectivement, moi-même, moi bien dit, Haïti gagne un plus mauvais réseau routier que l'humanité est capable de gagner. Donc, modèle réseau routier que nous gagnons, il est capable maintenant alimenter l'économie pays, oui. Mais c'est pas Jean l'État a fait là. Moi-même, c'est une bon thèse que moi écrit, que j'ai beaucoup publié. Et là, m'a publié, m'a montré, m'a montré l'État. Dans ça, les partenariats publics privés. Dans tout pays à travers le monde, réseau, modèle de réseau routier qui gagne, qui existe, yo, c'est des bagages innovants qui permettent que l'État, par exemple, dans moins que 1 heure, 2 heures par jour, l'État est capable de rentrer à peu près 4 à 5 millions de dollars pour lui maintenant projeter le développement pays. Ya. Mais le modèle pays que nous gagnons, pas de perspective, ça je vous dis là. Moi-même, oui, moi dis en théorie, jou l'État voulait créer, jou nous voulons bon l'État qui reflète la vision du développement du pays. Oui, secteur transport, c'est un secteur qui est plus riche qui existe à travers le monde. Correct. Donc, l'emploi de transport, ils vont voler l'environnement. Oui, ils vont voler l'environnement là-dedans. Par exemple, on a bataille pour de l'eau. Pendant qu'on a bataille pour de l'eau, il faut que j'aime politique de l'eau à ça, non? Politique de l'eau pays, c'est que Haïti gagne à peu près 94 bassins versants que Haïti a dû aménager. Parce que pour nous gagner développement économique, il faut que nous gagnions de l'eau systématiquement en dans le pays. Donc, 94 bassins versants, pas de l'eau qui est aménagée. Donc, même si vous avez un phénomène canal qui a parlé, l'État, s'il réunit les experts à travers le monde, il connaît beaucoup de gens. Il peut prendre une décision pour mener une politique de l'eau, pour nous conserver de l'eau dans le pays, pour nous produire, pour nous capables maintenant un jour. Révolutionner l'économie pays pour nous dire bon, la première grande révolution de l'économie haïtienne dans 15 prochaines années, la première révolution agricole, laisse à nous connaître qu'il y a un pays qui est autosuffisant et oui, un système de transport approprié et nous exactement route pour nous aller vers l'avant. En rien comme plan, en rien comme projet. Nous pas de modèle d'État ça. Ah, ben là, difficile. Alors, Benel Saint-Just, à qui ça nous attend nous là dans jour qui vient là yo par rapport avec budget ça qui est approuvé là l'en tenir compte de divers autres secteurs et dans qui pas aucun et bail sérieux et non on dit qui pas aucun et qui pas gagné et ça qu'on déraille et gros mot sur joindre ta rubrique là conseiller de secteur par exemple secteur éducation, secteur sécurité et d'autres secteurs qui pas gagnent presque en sérieux non mais où. Mais je dis à nous tout conscient de ça, Isaïe, ça a gagné environ 3-4 ans
et moun ka réfléchi dans pays a te comprendre depuis nous vle économie pays a redémarrer pour commencer créer richesse dans faut nous gain sécurité et combien fois nous même nous côté expertise nous moi toujours dis ça c'est celle Haïti comme son policier Isaïe c'est celle Haïti pour dirigeant connaît que 15,000 policiers capable bailler 12,000 monde sécurité jamais pas aucun pays sous la terre qui a fait bagarre ça. Et voilà qu'on y a aujourd'hui à nous gagner moins que 9,000 policiers et me dit toujours dit bagarre ça dans 15,000 policiers à l'état peut-être pas dépend 3,000 policiers là-dedans il était 12,000 policiers pour 12,000 haïtiens et aujourd'hui à là policiers corrompus quelque temps écoutez priorité à nous connaît priorité à nous connaît priorité alors m'd'a dit bagarre tous les haïs et bien avant rappelez nous que comme qui c'est 1,4 milliards de dollars qui vient comme budget national dans le pays, comme diaspora aujourd'hui, la rete kwè. Nan projection que la Banque mondiale fait sur comme diaspora voye comme transfert dans le pays, la à peu près entre 4,3 à 4,5 milliards. Donc, gardez pour comme diaspora seulement voye en Haïti, li presque deux fois. 2,5 fois plus, et plus que budget. On croit comme ça, et on pense sur la dans le cas FNE, Fonds national d'éducation. Exactement. Vous imaginez, vous regardez comme vous rentrez dans le pays, vous regardez le volume là qui rentre dans le pays, insécurité, vous avez tout le bagage. Donc maintenant, nous connaissons déjà, nous connaissons. Priorité, c'est que nous, bagage qui arrive à l'économie, sous ces dernières années en particulier, c'est exactement l'insécurité qui a aboyé l'économie complètement et mettait presque plus fort jeune garçon avec une fille. Dans chômage donc priorité nous aujourd'hui là il était capable ça mais en moi même moi t'a quitté nous moi respecte le public à comprendre analyse moi parce que moi viens dire moi prend un recul sur modèle analyse que n'a fait sur budget jour nous voulons un pays tout bon n'a changé modèle l'état depuis ne pas changer l'état. Nous ne pouvons jamais gagner pays parce que l'histoire a prouvé nous. Sous 20-25 ans dernières années, tout comme budget pays qui passe dans le projet, pas qui a aucun impact dans la ville. L'État haïtien n'a pas monté budget pour le peuple. L'État haïtien a monté budget pour une oligarchie enrichie davantage. Je rappelle nous, 10 personnes qui sont plus riches dans le pays, Fortunio, selon Forbes Magazine, l'est évalué à 14 milliards de dollars, soit l'autre PIB global pays a c'est 8,7 milliards de dollars. Qui donc 10 personnes qui pigent dans le pays a gagné richesse tout haïtien à plus de 25%. Vous comprenez? Ok. Mais Benel, pendant à parler là, gagne un monde qui écrit. Bon monde qui écrit pas habitude pas qu'on a suivi et téléphone message pendant m'a dans micro mais comme c'est pas moi qui t'a parlé Césaire bon monde qui écrit qui dit sorti en là et li pas étonné ouais l'état en fait gouvernement crasé tout ça qu'a fait toi namet comme si d'après son parler oui monsieur dit quoi lui même ici tellement tendu bien et sorti là où le gouvernement ça l'a crasé tout ça qu'a fait toi na met ou gain impression ça alors mais moi là alors moi dis mon merci parce que l'a prendre émission et ça fait nous plaisir et moi redis li encore l'état haïtien qui nous gain là c'est pas l'état peuple haïtien. Nous pas gain l'état. L'état existait pour nous y exister mais pas pour nous même qui peut. Ça mon nan di a oui moi même moi dit clairement il gain raison parce que après ça qu'a fait jusqu'à présent en dépit que son bagaille qui permettent que alors moi c'est première fois m'a vivre alors après retour à Haïti en 1994 c'est première fois m'a vivre côté que gon étincelle et grégo qui a développé en Haïti c'est première fois m'a vu bagaille ça alors moi bien dit oui après retour Jean-Baptiste Aristide en 1994 comme si gon bagaille parce que retour Aristide était uni nous il était uni nous en tant que peuple pour nous recevoir un président que nous même de côté voter mais c'est même gens aujourd'hui là
et canal la gon bagay li créé maintenant ou Egrégor. Mais you know that que on ne pas comprendre. Egrégor nous pas capable développer un pays sans institution. Mais on peut créer un Egrégor rapidement faut structurer. Correct. Parce que Egrégor c'est qui ça son force lieu. Li pral mener nous côté nous pral aller. Ouais, un Egrégor, il a béni nous de génération en génération. C'est bon. Mais si nous faisons mauvais Egrégor, tout la produit de génération en génération. Correct. Vous devez comprendre, penser nous, c'est une source d'énergie qui est liée. Parole nous, c'est une source d'énergie qui est liée. Donc, si le mouvement est fait quoi là maintenant, pour le mouvement bon, tout bon, il faut que l'État prenne. Maintenant, qui l'État? Qui l'État? Et pas l'État ça. Et pas l'État qui l'a dirigé là. C'est pas modèle l'État ça que bourgeois pays a qu'un bien dans le monde, pour développer l'inégalité chaque jour. Et pas modèle l'État ça qui a besoin. Ou même Abdou Bagay, prématin, ou absolument que m'te dou sa gagne environ 3 ans, m'te dou ki Haïti la yon pote pou le pauvre encore.